Partout en Afrique, des millions d'agriculteurs cultivent le manioc pour nourrir leurs familles. Les tubercules de manioc contiennent beaucoup d'amidon qui donne de l'énergie. Mais ils sont pauvres en protéines nécessaires pour une alimentation saine. Les agriculteurs aiment cultiver le manioc car il est tolérant à la sécheresse et produit même sur des sols pauvres. En Côte d'Ivoire, les femmes rurales gagnent un revenu par la transformation des pulpes de manioc fermentées en attiéké, un plat populaire dans la région. Aujourd'hui, ceux qui mangent le manioc sont de plus en plus nombreux. Mais faire un champ de manioc est devenu plus difficile parce que des grandes superficies sont utilisées pour produire l'EVA. Ayant besoin d'argent et d'attiéké, les agriculteurs récoltent précocement le manioc à 6 mois avant la maturité, quand les tubercules accumulent encore de l'amidon. Les producteurs récoltent très précoce parce qu'ils ont besoin d'argent pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, hein, de la scolarité de leurs enfants, de leurs problèmes. Ça ne donne pas de bon rendement parce que la récolte est faite tôt. Le manioc n'est pas bien formé. Il est très faible en amidon et il est très fibré, avec plein d'eau.